Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite de notre Let's Play sur Stellaris, épisode numéro 4. Nous retrouvons la grande Dicky qui est surplombée par les régions cormantiennes royales, ou Royal Cormantani Region, ouais. Les régions royales cormantiennes, on va appeler ça au Cormantani. Et le bloc zitorien unifié. Donc, j'étais en train de lire les précieux conseils de Mantra, qui est propulsé spécialiste du jeu de facto, parce que c'est celui qui a visiblement la plus grande expérience dessus parmi les commentateurs. Et oui, j'ai paqué tous mes trous de verre dans le système de départ, j'avais pas bien compris un peu la portée d'exploration. Pourtant, j'avais fait une partie de près de 15 heures, mais c'était sans trous de verre, donc forcément, c'était un petit peu plus difficile à appréhender. Je me disais quand même, Pierre-Alexandre, s'il avait peut-être pas raison de faire des trous de verre, peut-être ici. Qu'est-ce qu'on a là? On a quelques systèmes qu'on pourrait avoir apportés là aussi. Genre sur le système de Yildun, ça pourrait me permettre d'aller un tout petit peu plus loin par là et voir s'il n'y a pas des mondes habitables. Mondes habitables qu'on pourrait avoir si on avait la colonisation des déserts, notamment sur le système d'Enkef. Et puis ici, on a quoi potentiellement habitable? Voilà, les mondes désertiques. Donc au niveau de la recherche, on était... au monde tropical, donc c'est pas vraiment ça. Donc à voir si ça pop la recherche pour le monde désertique, ça pourrait être une option de repli. Mais en attendant, je pense que je vais dire à mon vaisseau de construction de faire un trou de verre ici. Alors les désavantages que je vois à faire ça maintenant, c'est que j'ai un déficit en énergie, mais j'ai une assez bonne réserve. L'autre chose, c'est que je pourrais... Ouais, si je colonisais, j'aurais de l'énergie là, mais il va falloir faire attention à ça et peut-être détruire des trous de verre là qui sont inutiles. Je sais pas, celui de Sirius, est-ce qu'il sert pas à rien si j'en fais un après ici? Parce que c'est bien beau de faire des trous de verre partout, mais ça coûte en entretien. Je sais pas combien d'ailleurs. Si je vais dessus... Voilà, entretien c'est 0,25 en énergie par tour. C'est pas non plus monstrueux, donc à voir. Je les détruirai pas là, en attendant votre avis pour la suite. Et puis pour le reste, je pensais faire... Là on est toujours avec le jeu en pause d'ailleurs. Ici construire peut-être un deuxième vaisseau scientifique pour explorer un peu plus rapidement. J'ai vu 2-3 personnes qui recommandent de le faire, donc on va le faire. Niveau corvette, on va atteindre la limite de flotte, hein. Donc une autre chose importante, c'est dans les recherches, de faire la prochaine recherche qui nous permet d'augmenter la taille de notre flotte, parce qu'on pourra pas aller beaucoup plus loin. Allez hop, suffit blabla, on relance le jeu, on va rejoindre les deux flottes, il n'y a pas d'amiral. Alors on va passer les différents menus en revue, en vitesse normale, donc ça c'est nos planètes, Dick River et Verga, les leaders, nos deux gouverneurs. Et puis les scientifiques. Et l'amiral, il faut que je le mette dans la flotte. J'en avais recruté un. Pour le reste, j'ai pas de faction. Donc, il y aura des factions qui peuperont ça dans les jeux Paradox, ils aiment bien. Dans Crusader Kings, c'est la même chose. Et ça peut foutre passablement la merde. Ça, on en parlera dès qu'on sera confronté éventuellement au problème. Alors, vaisseau scientifique qui est en train de rien faire, c'est pas bien. On va lui en mettre des missions. Pourquoi il peut pas? Nous n'avons pas accès à ce système. Forcément, c'est un peu plus dur. Research complete. Je comprends pas pourquoi j'ai pas accès à ce système. Qu'est-ce qu'il me raconte? Allez, on va faire reconnaissance du système. Et puis ensuite, projet de recherche. Bah oui, je peux. J'ai du mystique encore, comme ça m'arrive souvent. Donc, nouvelle recherche. Capacité navale. Cool. Heureusement, il n'y a pas de dilemme avec la colonisation des mondes désertiques. Bon, doctrine soutien de flotte, ça peut être cool. Ça va. Allez, hop, on a besoin d'une capacité navale plus importante, vu qu'on va atteindre le maximum dans peu de temps. Ensuite, je disais qu'il foutait rien, mais je venais de le construire, si ça se trouve. Là, lui, oui, je l'avais envoyé aussi rechercher dans les environs, ce vaisseau scientifique. Donc on disait la flotte, pas d'amiral, je crois qu'on va même aller un poil plus vite du coup. Viens par là, régénération mensuelle des coques, plus 2%, cadence de tir, plus 8%. Kenchu, génial. Donc 16 vaisseaux, 467 de puissance. J'ai un pote au boulot, il m'a expliqué hier que lui ça 16. Il a actuellement 6 flottes à 20k. Mais dès qu'il commence à les bouger, ça lui pompe une de ses énergies, c'est quelque chose de fou. Mais 6 flottes à 20k. Non mais. Enfin voilà. Donc lui il est beaucoup plus loin dans le jeu. Donc on est en vitesse rapide. On disait qu'on passait en revue dans les contacts. Donc là on n'est pas bien avec eux. L'état
Isirian libre. Ils sont où? Ils sont où, ces cons? Voilà. Ok. Donc là, c'est pas terrible. Ça serait pas mal si on pouvait se propager dans la zone et se renforcer en poussant plutôt par là. Et en restant bien avec nos deux voisins. Et d'ailleurs, celle-là, on est bien. À une ambassade chez un empire non identifié. Là, j'ai mes deux ambassades. Je sais pas, je peux en faire une autre. Je m'en souviens plus. Non, rappeler l'ambassade. On avait mis des ambassades ici. Mais c'est... Ah voilà, c'est écrit là. Voilà, il y a des ambassades des deux côtés. Ok. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. On va avancer un petit peu plus vite sur Verga. Un spatioport. Oh ouais, je pense que ça serait bien. On le construit alors. Et puis, à la surface de cette planète, niveau nourriture, on a un. Attention, pour que ça se développe bien, il faut qu'il y ait de la nourriture. Donc, on va construire une ferme ici. Ferme hydroponique. Ok, ça c'est bon. Et puis sur Dick River, où est-ce qu'on en est? On pourrait améliorer ici l'administration planétaire, ce qui bufferait les structures alentour. Pourquoi pas? Nouveau contact. Nous avons reçu un communiqué d'un empire spatial, de la Confédération des Mondes Eruxo. Les auteurs de ce message disent avoir... D'accord, ok, très bien. Donc, isolationniste xénophobe. Ils sont individualistes, xénophobes donc, et pacifiques. Bon, bah très bien. Il se trouve où Ah, d'accord. D'accord. Bon, ils vont faire tampon. Nous, on va essayer d'être bien avec eux. Et puis, apparemment, c'est l'ennemi pour l'instant. Mais alors, il va falloir que... Ah! Il y a un monde tropical ici, je pense. Attendez. Moi. Non, je vais pas aller... Oh non, quand même. Donc, je pense que c'est un monde tropical, voilà. On va aller... Oh, il est pas mal grand. Vaisseau de colonisation, alors ça va pomper de l'énergie, mais bon, enfin, c'est la vie. Non, moi je veux que tu colonises, mec. Non, comment on faisait déjà? Je sais déjà plus comment on joue, c'est terrible. C'est comme ça, il fallait aller là. Aperçu de la planète, coloniser avec le Bit Sparta. Habitabilité 65%, enfin c'est mieux que rien. Et on va se mettre là au milieu comme ça, ça pourra buffer. Bon, il faudra défricher tout ça. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pas me faire engueuler pour mon placement hasardeux. Donc, là, bah, on a fait un trou de verre ici. Donc, ce qui fait qu'on peut explorer toute la zone là et se projeter jusque là. Ce qui est pas mal. Mais donc, vaisseau scientifique. Ouais, on va t'envoyer... Ici. Oh, il y a une flotte qui arrive par là. Et puis l'autre vaisseau scientifique. Ouais, ici ça va être bien de faire un trou de verre. Qu'est-ce que je pourrais aller explorer? Non, là je peux pas. Hein. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bah écoutez, il va falloir faire ce trou de verre, donc vaisseau de construction, on va un peu plus vite, on va le faire directement ici, sur ce système. Alors on est à moins 3, voilà, il y a le vaisseau de Dick colonisateur, si je fais comme ça d'ailleurs, ça serait pas mieux, voilà, ça je zoome dessus. Oups là, de près ça bug un peu, hop, allez, en vitesse rapide. Ah, je croyais qu'il allait le suivre. Mince. Je vais louper l'arrivage à la planète à Barban 2B. Bon, c'était nul. C'était nul. Bon, alors là, on va le trou de verre qui va se faire ici. On va pouvoir aussi dire au vaisseau de construction. Ah, mince. On a rencontré des méchants. Donc, on va construire une station d'énergie ici. Station minière. Ah, on devrait avoir juste ici ce système-là aussi à disposition. Ok, alors là, on avance vraiment rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais même ralentir, il y a des trucs qui pop. Il y a du chômage sur Dick River, ça c'est pas bien. D'ailleurs, là, on va améliorer. On aura plus d'énergie. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant là? Niveau... Nourriture, on est à 1.
Je pense qu'on va faire ici des fermes. Encore, pour nourrir tout ce monde. C'est bien ce que j'ai demandé, oui. Oui, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Donc ça c'est oui, c'est les crédits énergétiques qui chutent, mais pendant la colonisation c'est toujours plus important. Après ça se calme. J'ai moyen de faire un autre poste frontière. Ici, il serait pas mal, hein. Parce que potentiellement, il y a plusieurs mondes qui pourraient être englobés. Même carrément sur Anbar. Vaisseau scientifique, est-ce que Anbar a été reconnu? Même pas, hein. Et là, il y a une flotte ennemie. Donc déjà là, on va envoyer ici pour checker après Socrome, des fois qu'il y a un monde habitable. Alors, colonie établie. Maintenant, on est nouveau positif dans les crédits. Alors, Barbon, est-ce qu'on va pas changer le nom de ça? Ah, on va déjà voir ce qui se passe là. Bon, ça va moins vite. Il y a trop de choses. Le directeur du musée d'exobiologie de Dick River a demandé à ce que plusieurs spécimens de forme. D'accord, ok. On va les collecter. Alors, ça, c'est des vaisseaux aliens. Ça, ils s'appellent comment déjà? Je sais plus si on leur a donné un nom, je m'en souviens plus le nom qu'ils ont. C'est des boules. Alors, on va pouvoir envoyer un vaisseau scientifique pour examiner tout ça. Toi, tu fous rien. Projet de recherche. Ok, là, tout le monde est à la recherche, c'est parfait. Donc là, c'est nettoyé. On va pouvoir envoyer un autre vaisseau scientifique, celui qui est en barre sur... comment c'est? C'est Skorom, hein. Voilà. Donc, là, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent? Projet minuté. Il y a déjà quelqu'un qui est dessus ou pas? Bah oui, je l'ai envoyé. Oui, c'est bon, c'est bon. Tout ça est lancé. Notre flotte, on va l'envoyer... Ah bon, on peut l'upgrader. On va la réparer et l'upgrader. Là, je suis en vitesse super lente. Allez, des bonnes recherches, des mondes habitables, c'est tout ce qu'on veut. Pour que la croissance de la grande Dicky soit la plus fulgurante possible. Alors, on se calme. Donc, capacité navale plus 10%. On va pouvoir construire des nouveaux vaisseaux. On a de quoi les entretenir en plus de ça. Alors, former une fédération, d'accord. Clinique frontalière, capacité leader de l'Empire plus 2. Coût des décrets moins 15%. Ça peut être intéressant, ça. Allez, bureaucratie adaptative. Là, il reste 41 mois et 40 mois. Hein. Ouais, ça va faire un bond dans la capacité de notre flotte, parce qu'avec l'énergie à fusion froide, on aura nettement plus de capacité pour entretenir des armements plus gourmands. Et puis les missiles antimatières, bah, ça fait bobo. Système sondé, en bas. Potentiellement habitable, c'est quoi? C'est du désertique encore? Toundra. Puis ici, c'est aride. Ouais, rien de bien. Folichon. Donc on a un trou de verre ici, on a un trou de verre là, et puis il y a tous ces systèmes à explorer, maintenant. Là, c'est des constructions qui sont terminées, c'est la flotte qui a été réparée. Attends, normalement on pose. Donc, reconnaissance des systèmes ici. À chaque fois, il fait des allers-retours depuis le trou de verre. J'ai enfin compris comment ça marchait. Reconnaissance du système et reconnaissance du système. On va donner encore des missions en plus à notre autre vaisseau de recherche. Je les mets toujours dans la file d'attente avec Shift. Enfin, j'espère que je fais juste. J'ai l'impression que oui. Et on va reconnaître tout ça. Voilà. On relance. Du chômage. On a déjà du chômage ici. Bah bravo, j'ai pas été attentif. Des minéraux. Énergie, ça va, très franchement. Donc on va construire une mine basique. Peut-être je ferais bien aussi de construire des laboratoires de recherche. Là, je peux pas déblayer. Et là, je peux par contre, pour la nourriture, pourquoi pas. On est quand même un petit peu limite au niveau nourriture. Pourtant, on vient de construire une ferme. Bon, je peux l'améliorer déjà? Non, pas encore. J'ai pas dû faire la recherche. Ok, là, on est en l'an. Donc notre flotte, nous disions, on va l'améliorer, on est à 485, ah bah c'est déjà fini, il y avait sûrement un seul ship à upgrader, on a augmenté un tout petit peu, et puis on a analysé des débris, ça nous a donné des bonus en recherche, ouais, c'est déjà ça vous me direz. Alors dans ce
les nouveaux systèmes. Ici, il faut qu'on envoie notre flotte, à mon avis. Il y a des méchants. Je comprends pas pourquoi il va pas de ce trou de verre directement à l'autre. C'est peut-être une question de portée. Ouais. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être bien ça. Donc là, c'est en train d'être checké. Donc, post-frontière ou pas post-frontière dans le coin? Histoire de bloquer la progression. Ici, là, c'est quand même assez provocateur si je m'entretiens des bonnes relations. Oh putain, là, il y a 10 minéraux dans le système. Fou. Mais alors là, ce monde, il est quand même riche. Je sais pas. J'hésite grandement. Incoming transmission. Qu'est-ce qu'ils veulent? Carte des étoiles. Anomaly found. Recherchez-moi ça. Ouais, allez, on va accepter. Waouh. Donc ça, c'est dans ce système-là. On va juste voir en bas. Oh non, c'est juste quelques malotrus. Oui, la flotte, elle est réglée sur agressivité maximale. Donc, des mondes ici habitables, il y en a un là-bas en haut. Là, on connaît pas. Mais de toute manière, ça n'est pas à portée. Hostile fleet engaged. Des réjouissances commencent. Bon, ça va aller très vite. Crash d'un cargo de minerai. Après avoir notifié l'anomalie dans le puits gravitationnel de SP906, enfin SP0906, le BITAC a découvert l'épave éparpillée d'un ancien supercargo de minerai. Excellent, plus 3. Situation log updated. Construction complete. Voilà, encore une petite flotte à démolir ou une station. Projet de recherche ici, on va en lancer un droit derrière une fois que tout sera détruit. Voilà. Alors toi, tu vas aller te réparer parce que je pense que tu as quelques petits dégâts. Rester au top. Hein. Ok, avance rapide. Là, je pourrais construire dans ce système. C'est dans mes frontières maintenant. Ouais, un petit peu. Une station minière ici. Ah, j'aurais pu en construire ici au niveau des minerais. Bon, on va mettre en file d'attente, c'est pas très grave. Voilà. Ok. Je sais pas ce que vous pensez, combien il faut de réserve d'énergie, comment on gère ça. Là, je reste à peu près équilibré parce que... Voilà, il me semble que j'ai pas besoin de beaucoup plus. Construire au spatioport. Ah, il me faudrait la technologie des destroyers pour aller plus loin. On va faire des corvettes encore. System survey complete. J'en ai 16. On va en faire 4 pour avoir une flotte à 20. Je construis déjà un vaisseau de colonisation. Go. Allez, comme ça, il y en a qui est prêt. Donc, il y a différents dicks ou archétypes de dicks qui peuvent être envoyés. Allez, on va envoyer des militaristes. Ils sont forts. Ils ont pas tous les mêmes caractéristiques pour les colonies. Hein. Allez, je vais tester un peu comme ça. Je cause. On arrive gentiment à 20 minutes. Un peu moins. Wow, on va faire 25 minutes. Tac. Là, il faut que j'envoie des vaisseaux de reconnaissance. Bah, ils sont déjà bien occupés. J'ai bien fait d'en faire deux. Hein. Oh là, tous ces mondes-là, il n'y a rien de colonisable a priori. Ah oui, ici. Tara Z. Debris analyzed. Ouh, intéressant. Là, je peux reconnaître le système. Là aussi. Là aussi. Yeah. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Intéressant. Donc, un monde rocheux. Une atmosphère composée d'azote, oxygène, hydrosphère active et stable. Nous sommes séparés par des vases océans. Ok. Waouh. C'est pas un monde Eden, ça, non? Il en faut 25. Puis ça serait indiqué habitabilité 80%. Ouais, monde continental. Bah ça, c'est un joli... J'ai bien fait de lancer un vaisseau... Ah, mais j'ai pas de vaisseau de colonisation. Non, il est en train d'être fait. C'est dans la liste d'attente du spatioport. Termine une corvette. Et ensuite, il sera construit. Voilà. Dans 330 secondes. On a analysé des débris, des petits bonus. Bon, ces recherches-là... on y est bientôt. 14 mois, 19 mois, et là, 4 mois. Excellent, excellent. Alors, toujours du chômage ici. Nourriture, je check toujours. Hein? Bon, on va faire une ferme ici. Ah,
Voilà, comme ça, il bossera directement dès que c'est prêt. Là, je peux pas déblayer ces cases. Hein. J'ai ces volcans et montagnes. J'ai pas la technologie pour. Ok, on accélère. Tout le monde travaille, c'est parfait. J'ai une flotte à 20, 600 de force de frappe. Research complete. Ok, alors la recherche, je pense que je vais agrandir encore la flotte. Hein. Alors, capacité navale plus 10%, ça me dit bien. Tissu de coque, capacité en leader de l'Empire. J'ai encore envie de la capacité navale. Hein. 67 mois, c'est très long. Allez, on va laisser comme ça. Parce que j'ai l'impression que je suis quand même très faiblard. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... Je crois que j'ai pris du retard et... Construction complete. J'hésite. Ouais, on va... Je vais faire encore des corvettes. On va en faire 5. Et puis, dans le design des vaisseaux... Bon, de toute manière, ça va vite changer parce que je vais avoir les missiles antimatière. System survey complete. Ok. Donc ça c'était où? System survey complete. C'est peut-être noté comme ça. Je suis con. Oh là il y a... Non. Il est partiellement habitable. Oceanic, 70%, c'est quand même pas mal. Ok, alors là c'est terminé. On a le vaisseau de colonisation donc. Evading hostile fleet. Oula. Des hostiles. Alors coloniser. Go. J'espère que je peux déblayer hein. Tout ça. Le Varek, y a pas moyen. Bon, on verra. Je pense que tant que c'est pas colonisé, de toute manière, y a pas moyen. C'était où ça? Encore des ces petites flottes. Viens dès là et vous me nettoyez tout ça. C'est juste sur le monde de Bralix. Ah oui, moi je voulais changer le nom de cette colonie. Qu'est-ce qu'il y a comme nom hein? Là, c'est Saint-Pomeroy. Saint-Pomeroy. On va l'appeler Prince Albert. Oh, atmosphère aphrodisiaque. Atmosphère aphrodisiaque. Oh là là, les dicks qui vont dans une atmosphère aphrodisiaque. Alors là, le Prince Albert, ça me plaît bien, quoi. On verra si... Je sais pas si les plus jeunes vont comprendre. Alors, Saint-Pomeroy sera renommé. Non, allez, Saint-Prince Albert. Prince Albert. Voilà. Ça me plaît grandement. Ok. J'ai envie d'avancer un peu plus, voire même d'enregistrer un autre épisode. Le truc, c'est que j'ai peur de faire des conneries. Je sens que ça commence. On est un peu. Là, il faudrait pas que j'en fasse parce que ça va se démultiplier. Bon, je suis à moins 5, mais il y a la colonisation ici de. C'est quoi Tarazed. Alors là, du coup, pour le prochain épisode, allez, je vais laisser quelques jours. On est samedi aujourd'hui. Je le poste aujourd'hui. Oui, je pense que je vais le poster aujourd'hui ou demain. Peu importe. Et puis, vous me proposez un nom pour le nouveau monde. On va dire ça comme ça. Bon. Je vais juste faire un petit tour avant de qu'on se quitte sur la diplomatie. Donc, les Eruxo. Ouais, c'est en train de tourner au vinaigre un petit peu. Xénophobe, répugnant, nouveau contact. Bon, non, ça va, c'est le début, c'est normal. Mais par contre, là, zélote évangéliste. Alors, qu'est-ce que je déteste ces gens-là. Bon, bref. Sur ce, je crois que je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit. C'était DRK36 sur Stellaris avec les Dicks pour l'extension, on va dire, inébranlable de la Grande Dicky. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Ciao!